mes amours. Bah écoutez, je reviens en fait ce soir, dénuée de tout maquillage, comme vous pourrez le voir. Donc là, j'ai la peau rougeâtre, mais je m'en fous quoi. Parce que je reviens avec une vidéo spéciale. Donc je reviens ce soir avec un tag que je crée moi-même, afin qu'il soit relayé en fait un petit peu partout sur la YouTube sphère. Parce que c'est une association qui me tient à cœur. Une action qui me tient à cœur que de faire connaître cette association. Voilà, donc l'association à laquelle je fais référence, c'est l'association Un Bouchon d'Amour. Bouchon d'Amour. Donc le site internet, c'est www.bouchondamour.com. Et en fait, c'est une association qui a pour but de collecter en fait les bouchons divers et variés pour acheter en fait, pour les revendre à des entreprises de recyclage et pouvoir financer les appareils pour les handicapés. Excusez-moi, je suis assez émue par le thème de cette vidéo. Puisque mon père étant handicapé aussi, c'est vrai que voilà, ça met un petit peu personnel, on va dire. Donc je crée vraiment cette assoce parce qu'il y a beaucoup d'assos contre le cancer, contre le sida, contre un petit peu tout, les Restos du Cœur. Donc je suis d'accord, j'ai donné pour les Restos du Cœur, j'ai fait quand même des actions pour certaines, pour la Croix-Rouge française, pour un peu plein de choses. Mais c'est vrai qu'on vous demande souvent de l'argent. Et là en fait je veux promouvoir absolument cette assos parce que la seule chose qu'ils vous demandent c'est des bouts de plastique. Pour financer par exemple des chiens d'aveugle, pour financer par exemple des chaises roulantes, voyez. Et la seule chose qu'on vous demande, c'est des bouchons en plastique. Moi, je vois qu'avec Hugo, tout le nombre de bouteilles d'Evian que je peux, enfin avec lequel je peux récupérer le plastique. Nous, en tant que youtubeuse, en tant que consommatrice de cosmétiques, vous pourriez même pas vous imaginer le nombre de bouchons qu'on peut mettre de côté pour ces gens-là qui en ont besoin. Alors là, on vous demande pas d'argent, et c'est ça l'intérêt en fait. C'est qu'on vous demande juste des putains de bouchons en plastique. Voilà. Donc, excusez-moi, voilà, je suis franche, je suis moi, je suis honnête, je suis entière. Donc, c'est pour ça que je parle avec mes mots à moi. Je suis pas payée par la sauce. Les gens de la sauce ne me connaissent pas. J'ai juste interrogé le gérant du secteur donc de la Marne, Champagne-Ardenne quoi, pour lui demander en fait comment, vu que moi maintenant avec trois associés on a un dépôt vente, comment être point relais. Voilà, pour prendre donc à mes frais, enfin à mes frais non, mais je veux dire pour collecter donc dans mon entrepôt avec 10 sacs, donc en fait c'est par 10. On vous amène 10 sacs et vous signez un accord en fait qui vous comment dire, contraint si on peut dire à avoir 10 sacs à les remplir et à les stocker jusqu'à ce que les 10 sacs soient remplis et appeler le directeur de département ou de secteur pour qu'il puisse venir collecter les 10 sacs en fait. Donc je me suis renseignée pour ça et en fait c'est tout simple, il suffit de télécharger, je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon, télécharger un formulaire pour être point relais. Donc peu importe, ça c'est pour mon cas pratique, c'est parce que j'ai la possibilité de le faire. Donc le tag, on va le commencer tout de suite. C'est 5 petites questions. La première c'est, connaissez-vous la sauce? Oui ou non? Donc là je viens de vous en parler un petit peu, donc la sauce... elle a été relayée un petit peu sur les médias ou dans les médias comme on veut et a fait un petit peu parler d'elle. Beaucoup moins en ce moment. C'est pour ça que j'essaye de relancer parce que vous savez, hein, tous ceux qui regardent la télé, on s'en fiche, mais nous les youtubeurs, mais enfin, vous les youtubesques, on va dire, tous les abonnés, vous avez un pouvoir, mais vous vous rendez même pas compte le pouvoir que vous avez, quoi. Donc même si vous, à votre mesure, vous pouvez faire un geste, un bouchon, mais un bouchon, c'est que dalle. Même vous, vous êtes dans la capacité de faire quelque chose, on ne vous demande pas d'argent, quoi. C'est pour ça que je veux dire, est-ce que nous, on peut relayer l'info sur YouTube? Et du coup, je sais pas, moi, je demande aux youtubeuses comme Sandrea, comme tous ces gens-là, d'en faire disons, donnez vos bouchons, quoi. Je veux dire, là, je vais commencer à sourire parce que, voilà, je me détends un petit peu. Donc, la première, c'est connais-tu la sauce?
La deuxième, c'est sais-tu qui la représente au niveau des médias? Donc en fait, c'est Jean-Marie Bigard. Voilà, je crois que c'est même le fondateur de cette association. Donc ça, c'est pour la deuxième question. Donc la première, connais-tu la sauce? La deuxième, sais-tu qui la représente? La troisième, cite trois exemples de bouchons qui sont récupérables. Donc le plus connu, c'est les bouchons de... Moi, je vais en citer plus que trois, oui. C'est les bouchons de bouteilles d'eau, quoi. Bouteilles de soda. Ensuite, donc ça, c'est les plus répandus. Ensuite, vous avez tout ce qui est moins de 12 mm, de 12 cm de diamètre. Donc, c'est tout ce qui est bouchons de bidons d'adoucissant. Tout ce qui est, vous savez, les fébraises, là, les gros capuchons. Nous, en tant que youtubeurs, le troisième exemple que je peux vous donner, c'est tout ce qui est les bouchons de gel douche. Et on en consomme, hein, je vous le dis, moi, les amis. Hein. Les bouchons de gel douche, les bouchons, vous savez, de crème, les bouchons... Enfin, je vous mettrai l'ensemble... Enfin, un dépliant sur l'ensemble des bouchons qui sont récupérables. Les emballages de... Vous savez, les œufs Kinder, les œufs, ce qu'il y a à l'intérieur... dans lequel on cache la surprise, ça c'est récupérable. On va dire tout ce qui est aussi les tubes d'homéopathie, vous savez, ça c'est récupérable. Il y a plein de choses qui sont récupérables et qui sont pas à négliger. Par exemple, les boîtes de lait, vous savez, il y a des couvercles en plastique, ça c'est récupérable. Les bouchons d'huile, les bouchons de vinaigre, les bouchons de sauce. Comme la mayonnaise, etc. Ça, c'est des bouchons récupérables. Il y a plein de choses qui sont récupérables. Donc, franchement, honnêtement, si on peut au moins faire ça, ce serait génial. Donc là, je vous en ai donné, bien sûr, beaucoup plus d'une, quoi, en référence. Et la quatrième question, c'est cite un point, ne serait-ce qu'un point, relais dans... autour de chez toi. Donc moi, le point relais le plus proche de chez moi, c'est Cora à la Neuvillette. Cora à la Neuvillette, dans la galerie, ils ont installé un point collecte. Et puis, bon, bah, moi, un deuxième, c'est celui que je vais installer moi. Donc, je vous rappelle, c'est la SAS de la Cave au Grenier. C'est 1 rue du Grand Pré, 51-140 à Muison. Donc, je vais mettre en place ça si toutefois il y a des maisonnés, des maisonnaises, des rémois, des rémoises qui veulent déposer leurs bouchons, il n'y a pas de souci, vous m'y trouverez là-bas. Et donc voilà, c'est la seule chose que je vous demande, c'est au moins de donner un point relais. Mais dans tous les cas, je vous laisse le lien du site internet où vous pouvez sélectionner votre département et aller voir tous les points relais qui existent. Voilà. Et la dernière question, c'est combien as-tu de bouchons que tu peux mettre à disposition dans les urnes? Donc moi, bah, pour l'instant, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus tous les produits finis que je n'ai pas encore filmés, donc qui restent encore en attente, plus toutes les bouteilles qu'on va finir, les crèmes qu'on va terminer, voilà, tout ça. Donc là, moi, j'en suis à 6 pour l'instant et 7 juste à côté. Voilà, 7 bouchons. Donc imaginez, chaque personne avec 7 bouchons, on est quand même plus de plusieurs milliards en France, si je ne m'abuse. Donc voilà, voilà. C'est tout, 5 petites questions, un tag qui fait 10 minutes, quoi, on va dire. Donc s'il vous plaît, la seule chose que je vous demande, c'est de partager ce lien dans vos Facebook, entre vous, parlez-en. Je tag Sandrea, je tag Mamzelle Souze, je tag Amy Makeup Pro, je tag Julie du Vanity de Julie, je tag Madame Marshmallow, je tag tous ceux qui veulent faire en fait ce tag, quoi. S'il vous plaît, même si vous êtes youtubeuse, si vous passez sur ma chaîne, faites ce tag. Franchement, même pas maquillée, on s'en fout, c'est pas le but, quoi. Là, c'est vraiment pas le but de se montrer belle sous un beau jour et tout. Là, c'est juste se montrer humain. Et on vous demande rien, on vous demande des bouchons en plastique. Donc voilà, j'espère juste que j'aurais pu vraiment faire le tour, quoi. Hein, je veux faire le tour parce que je veux qu'on
qu'on apprenne à recycler pour le bon, pour le bien, quoi, pour voilà, pour de bonnes raisons, voilà, pour de bonnes raisons, parce qu'en fait, vous inquiétez pas, hein, quand on vous dit mettez dans les poubelles jaunes ou dans les poubelles noires, hein, vous inquiétez pas qu'il y a quelqu'un qui va s'en mettre plein les fouilles après, c'est certainement pas vous. Alors vaut mieux que ce soit des associations qui en profitent plutôt que des gens avec qui, enfin pour qui c'est l'activité principale. Mais bon, je veux dire, c'est pas pour un bouchon qu'ils vont pleurer, quoi. Donc si on peut nous les récupérer pour en faire bénéficier un handicapé, je pense à Elsa Makeup. Elsa Makeup, elle, je la tag aussi, Elsa, si tu m'écoutes, voilà. N'hésite pas à faire ce tag parce que franchement, tu es bien placée pour savoir que tous ces équipements-là coûtent cher. Donc si on peut les aider, voilà. Donc j'arrête de parler, ça fait 11 minutes que je vous saoule avec ça. Je vous embrasse bien fort, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et je compte sur vous. Gros bisous, à bientôt, ciao.